Et salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Transport Tueur. Alors aujourd'hui on va faire une nouvelle grande ligne. En fait on va faire la ligne actuellement dans la vraie vie, la ligne la plus courte entre Paris et la mer. Et donc du coup on va faire la deuxième gare de Paris, qui est normalement la gare de Paris Nord, donc on va la faire par ici. Et du coup il y aura une voie qui passera, qui ira vers Cergy, mais surtout une ligne qui partira vers le nord comme ça et qui rejoindra Beauvais. On va faire la ligne qui va rejoindre Beauvais, à Boncourt et le Tréport. Donc jusqu'à Beauvais on sera à double voie, et après Beauvais on passera à voie unique jusqu'au Tréport, avec quand même une gare de croisement à Boncourt. Du coup ça on va détruire cette industrie là aussi, on va la détruire parce qu'elle va nous gêner. Et du coup on va mettre une gare terminus. Qu'est-ce que j'ai mis comme gare ici? Ah oui, j'ai mis une gare comme ça. On va mettre 6 voies, 240 mètres. En vrai, dans la vraie vie, c'est une gare en briques. Donc j'ai... j'ai bien envie de faire ça et après de modifier un peu. J'ai envie de faire ça. On va faire ça même. Allez. Caténaire, non, c'est bon. Ok. Par contre, assez vite, en fait, il va falloir qu'on raccorde assez vite pour après mettre des voies là et après faire directement une voie qui part de l'autre côté. Parce que la ligne qui va vers... la ligne qui va à Beauvais ne passe pas par Cergy. Donc ça, on détruit. Et j'ai bien envie, du coup, de mettre... on va aller dans le bâtiment passager. Bâtiment de passager. Et je sais que normalement j'ai des... alors j'ai ces bâtiments là mais ça va pas. Je dois avoir des gros bâtiments en briques. Voilà. On va mettre ça. On va mettre un bâtiment comme ça. Ah, et je peux pas mettre sur le côté, c'est pas grave. Voilà. Donc là on a notre gare ici. Et maintenant bah faut qu'on raccorde. Faut qu'on raccorde. Donc là, bah pour l'instant, je mets 1500, mais après, il faudra tout passer en 25 000. Ça va être un peu galère à faire, mais bon. Alors, non électrifié. Même si cette portion-là, du coup, par la suite, sera électrifiée, hein, puisque ici, c'est cette portion électrifiée. C'est électrifié jusqu'à Beauvais. La ligne est électrifiée jusqu'à Beauvais. Et après, ça passe en voie unique non électrifiée. Alors normalement, il y a encore un peu de distance après Beauvais pour le passage en voie unique. Mais moi je vais passer directement à Beauvais. Bon, on prendra peut-être un peu de marge, mais... le truc c'est que ça sert à rien parce que je vais pas mettre de gare entre les deux. Je vais pas mettre de gare entre les deux et du coup... c'est normalement en fait t'as une dernière gare et après ça passe à voie unique. Donc bon. Du coup ici c'est bon. Et là on met une voie comme ça. Ok. Là on va mettre une TJD. Oui. Donc là tous les trains peuvent aller partout. Donc ça c'est bon. Et ensuite bah on va faire assez rapidement. Bah ici on va faire... on va faire notre bifurcation. Voilà. Ok, c'est pas trop mal, ça va. Et donc maintenant c'est parti vers Beauvais. Alors il va falloir qu'on grimpe ça là, ça va être rigolo. De toute façon je sais que cette portion de la ligne, elle est un peu complexe, de ce que j'ai compris. Je connais pas très bien cette ligne, je l'ai jamais parcouru en entier. Enfin, tout comme la ligne. Enfin, la ligne de Dieppe non plus. Hein. Enfin, la Cercle Dieppe, de toute façon, j'aurais pas pu, puisque je suis né après à la fermeture. Et même la partie de Gisors, je l'ai jamais. Malheureusement, j'ai jamais parcouru.
quand ils l'ont fermé, quand l'autre guignol l'a fermé, j'avais justement l'intention de l'essayer. Bah, pour faire l'histoire de rail, je voulais le faire en train, quoi. Sans me douter que notre idiot de président de région allait la fermer, quoi. Voilà. J'ai fait un peu de place parce que sinon le tunnel ça passait pas. Et Beauvais c'est là-bas. Donc faut qu'on passe là. Je sais pas trop s'il y a des viaducs dans le coin. Comme je vous dis, je la connais pas super bien la ligne. Alors, après, il y a une portion de la ligne que j'ai déjà empruntée, c'est la portion entre Abancourt et le Tréport. Là, je l'ai déjà empruntée. À l'époque, où elle n'avait pas encore été refaite. Et c'était folklorique, on va dire. On va dire ça comme ça. C'était un peu folklorique. On va dire ça comme ça. Bah, elle n'était pas en bon état, donc du coup, le train avait des mouvements, voilà. Mais par contre c'est sympa parce que c'était une... Je me rappelle que c'était une RRR avec des... Alors avec une 67-400 devant. C'était sympathique. En vrai c'était sympa. Au moins on était bien installé quoi. Maintenant c'est parcouru soit par de la GC. Je crois que c'est beaucoup de la GC qui parcourt cette portion de ligne. Donc ça va encore. De la GC ça va. C'est pas... C'est cool la GC. Pas un régioliste quoi. Mais je crois qu'il y a aussi des régiolistes qui font la ligne et là c'est un peu moins cool. Mais c'est même beaucoup moins cool. Hop. Après la longue montée. Là j'ai l'impression que la rampe là elle est très longue. Hein. La rampe qu'on vient de faire là. J'ai l'impression qu'elle est très très longue. On a intérêt de mettre des trains puissants, ouais. Ah non, oh non, ça va en vrai. Ah non, là, non, elle est pas longue en fait. Mais ça va être joli, là, le passage dans la forêt là, c'est sympa. C'est où Beauvais? C'est là-bas. En vrai, j'aurais pu mettre une autre ville au milieu. On verra si on en rajoute une plus tard. Mais j'ai pas le nom des villes entre temps. En fait, Épinay-Villateuse, donc normalement la gare de départ, elle est par là. C'est par ici. Mais entre deux, je sais pas ce qu'il y a comme ville qui pourrait être importante. Faudrait que je regarde. En vrai, faudrait que je regarde. Je sais pas s'il y a des villes importantes. Je pense, hein, peut-être. Mais je ne sais pas. Une petite portion un peu plate qui fait plaisir. Et du coup à Beauvais on va mettre la gare en un peu, bon, on va la mettre par là je pense. Dans la vraie vie elle est plutôt bien centrée en vrai. Elle est bien placée la gare en vrai, ouais, en vrai. Je vais mettre une gare comme ça à deux voies, non plus de deux voies, quatre voies voire même six si je peux. Peut-être essayer de mettre 6 voies parce que vu qu'il va y avoir des trains en attente, vu qu'après c'est la portion à voie unique. Et en plus il va y avoir des bifurcations là ici. Non le jeu, j'y étais là. Oh punaise, ça rentre vraiment aux chausse-pieds. Hein. Ça rentre vraiment aux chausse-pieds, quoi. Mais ça rentre. Il n'y a pas la place pour mettre plus, quoi. Par contre, il n'y a vraiment pas la place pour mettre plus. Par contre, je vais détruire là, parce que je pense qu'il va falloir que je reprenne un peu. Parce que
que du coup à Beauvais il y aura une ligne qui arrivera de Gisors. Il y aura une ligne qui arrivera de par là aussi. Ah là ici j'aurais pu mettre Gournay pour faire la ligne qui fait ça. Mais je pense que je ferai une ligne qui fera ça pour aller à Serqueux. Parce qu'ici il y a Gournay Ferrière. Et donc t'avais une ligne qui faisait Beauvais Gournay. Et je crois que du nord de Beauvais tu pouvais rejoindre aussi Amiens. Donc je ferai peut-être une ligne qui partira comme ça et qui rejoindra par là pour aller à Amiens. Mais je crois que justement, ah, je dis peut-être une bêtise, mais je crois qu'elle se débranchait. Enfin, la ligne se débranchait, on va dire. Au niveau de là où ça passe à voie unique, il me semble. J'ai pas de certitude, mais je crois. Ralentissement en rentrant là, pourquoi pas. Ça permettra au train de pas trop bombarder dans la ville. Ok. Ici, on va faire une voie qui part là. Et qui vient là. Boum. Là on fait vraiment une grosse zone. Ah mince, ça va pas. Je vais essayer d'aligner un peu tout ça. Là c'est pas trop mal. Et là du coup je peux mettre ma route. Et le jeu remettra comme il veut après. Ah c'est mieux. Bon en vrai je vais remettre tout de suite comme le... Je vais pas attendre que le jeu le fasse. Boum, boum. Voilà. Bon ça dépasse un tout petit peu mais ça va en vrai. Là, je vais me coller là. Ah non, faudrait arriver à rester au niveau. Ok. Est-ce que là, on est toujours à niveau? Oui, parfait. Bon, ça c'est un gros pen par contre. C'est vraiment un gros pen. Ok. Une voie comme ça, ça me va. Comme ça c'est bien. Et du coup... Comment ça pente trop incliné? De ma gueule. Pente trop incliné, mais non, sérieux, le jeu. Laisse-moi faire le jeu. Non, bah il faut faire ça. Ok. Ok, ok, ok. Ensuite, on repart du coup ici. Une ligne droite sur du plat. Là pour l'instant encore un peu de double voie pour venir raccorder lui ici, lui ici. J'ai bien envie de faire un truc un peu différent, donc lui ici et lui ici. Ok. Et donc ça, TJD. TJD, oui.
Là, on grimpe. Et là, en fait, il y aura la station, il y aura la voie qui partira vers, vers Gournay par là. Donc, je vais aller jusque là en double voie. Et ensuite, voie unique. Là, on reste un peu sur du plein. Avant, courser là-bas. Et là, je suis le relief. Tout bêtement, je suis le relief. Alors, je crois que par ici, il y a vraiment un tunnel dans le coin. Je sais pas où précisément, mais je crois qu'il y a un tunnel entre les deux. Hop. Boum. Alors ici, il n'y a pas vraiment de pont, mais on va en mettre un parce que de toute façon, on n'a pas trop le choix pour rentrer dans la gare. Et voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, j'ai toujours un doute. Faut que je check un truc vite fait. Je sais plus, mais je crois que la voie elle passe en dessous. Mais j'ai un doute. Donc je check. Parce qu'en fait la voie elle passe pas à niveau ici. Vous allez voir. Je vais essayer de refaire comme c'est en vrai. Donc à bon cours, faut que je trouve la gare. Qui est ici? Ouais, ça, elle passe en dessous. Donc ici, on va faire deux voies comme ça. Ok. Là, une voie qui descend ici. Là, on se raccorde là. Par contre, l'idée, c'est quand même d'avoir une voie qui fait ça. Et une voie qui fait ça. Comme dans la vraie vie. Et ensuite, une voie qui fait ça. Ok. Par contre, je crois pas que... Alors, je vais rechecker. Mais vers rond, je crois pas qu'il y a la même chose. Là, il y a la gare. Ah si, 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 il y a une voie qui va vers Rouen, normalement. Donc, normalement, il y a une voie qui part de là. Et qui va venir s'embrancher ici. Et donc, nous, on va faire ça comme ça. Ça comme ça. Et après le pont. Ou sur le pont. En vrai, sur le pont, normalement, ça marche. Mais il faut pas dépasser le pont. C'est ça toute la difficulté. Ah, les caprices de TS. Courbure trop serrée. Bon, s'il me fait ça, il y a une bonne vieille technique. Ah, même là, il me dit courbure trop serrée. Putain, pourtant j'ai pris. Saleté. Alors, du coup, là, on va faire ça. Voilà. On prend de la voie comme ça, et là, ça passe. En fait, il faut prendre de la voie abandonnée. Si 10 courbures trop serrées, tu prends de la voie abandonnée et ça passe. Ok, là c'est bon.
Ça, c'est bon. Ensuite. Bah, du coup, ensuite, il faut passer sous la voie. Donc là, on descend au maximum. Ah, sauf que la voie, elle descend aussi, là. Super. Bon, je pense qu'il va falloir qu'on mette en pause. Qu'on détruise ça. Qu'en fait, on fasse une espèce de talus ici. Alors, qu'on fasse passer la voie déjà ici. Dans la rue, là, la voie, elle descend sur Romal. On va descendre par là. Alors là, je descends au maximum jusqu'ici. Ensuite, un plat. Un plat ici. Ah mince, faut refaire la route aussi. Bon, c'est pas grave. Enfin, un pont. Voilà, on fait une tranchée. Par ici, il n'y a pas de tunnel, donc j'ai pas envie de faire un tunnel. Je sais que par là, il n'y a pas de tunnel, parce que comme je vous dis, je l'ai déjà pris. Hop. Ok. Là, on est bon. Et donc, l'idée, c'est que cette voie-là... Elle reste assez haute. Pour passer au-dessus. Voilà, nickel. C'est ça que je voulais. Et là, on va mettre un pont. Un pont comme ça. En mettant. Ouais, je sais pas ce que c'est comme pont en vrai. Ce que je vois, j'arrive pas trop à voir, mais. On va mettre un pont comme ça, ce sera très bien. Hop! Et ensuite, on vient se raccorder là. Ok, nickel. Et voilà. Et là, on a notre voie qui descend là. Ici, on fait notre route. Ok. On monte un pont comme ça. Boum. Et boum. Parfait. Et donc bon, ensuite on continue en direction de en direction du tréport. Normalement, dans la vraie vie, on est à la limite entre la Normandie et le département, enfin, et le Nord, quoi. Ok, et donc au tréport, la gare, on va la faire... Oh, le tréport, d'ailleurs, qui est même pas raccordé à la route. Au tréport, la gare, on va la faire par là. Bâtiment. Oui, bah la gare de tréport, de toute façon, c'est une gare face à la mer, avec vue mer. Trop jolie cette gare d'ailleurs. Trop belle cette gare. Je vais mettre une gare comme ça. Je vais prendre 4 voies, ouais. Je vais laisser ça 4 voies. Même 6 voies, ouais. 6 voies, c'est très bien. Notre époque qui est une ancienne grande gare. Hein. Franchement, malheureusement, maintenant, il n'y a plus que. Bah, y'a plus que les trains qui arrivent enfin, de la ligne de Paris, quoi. Même, et même ils viennent pas de Paris, hein, ils viennent de. Juste de Beauvais.
Mais avant, il y avait des trains qui arrivaient de Dieppe et de Abbeville. Donc, comme je dis, une ancienne grande gare. Malheureusement, comme beaucoup, elle a pris cher, quoi. Et encore, elle a failli ne plus avoir du tout de train. Parce que la ligne de Beauvais, elle a failli prendre le même chemin. C'est juste que les gens ont réagi en mode « Qu'est-ce que vous faites là ?» Sinon, elle prenait exactement le même chemin, il l'a fermé. Hein. Parce qu'elle était en mauvais état. Ah, j'ai mis en plus récent. Ouais, bon, on peut imaginer que là, ils ont lavé, ils ont pas lavé les restes encore. Voilà. Et voilà, la gare du Tréport. Maintenant, par contre, il faut relier à la route. Alors, dans la vraie vie, elle est vraiment au niveau de la mer, la gare. Vraiment, tu sors de la gare, t'as directement la mer devant toi, quoi. C'est une très très jolie gare, la gare du Tréport. Et donc, on va aller par là. Je vais voir si je relie en direct, comment ça rend. Oh, c'est pas mal. On va faire une portion à double voie jusque par là. Dans la vraie vie, par ici, il y a E. Et donc, il y aura l'embranchement. Mince. Il y aura l'embranchement de la ligne vers Dieppe, qu'on va refaire par là et on ira jusque là du coup. Ok. Ça, je raccorde. Ok. Et ok. Putain, elle est trop belle cette ligne. Et maintenant, du coup, on y met la signalisation. Et en plus, dans la vraie vie, jusqu'aux travaux, il y avait encore des signaux mécaniques. Je vais mettre ceux-là, parce que c'est les plus ressemblants à ce que j'ai connu sur la ligne. C'est vraiment les plus ressemblants à ce que j'ai connu sur la ligne. Là, on va mettre celle-là comme ça. Celle-là comme ça. Boum, boum. Ouais, là, je suis un peu obligé de me mettre sur la route. Boum. Et ensuite, un emplacement régulier. Alors, faudra que cette ligne-là, c'était une des rares en Normandie avec la Rouen-Amiens à appartenir au Nord, à la compagnie des chemins de fer du Nord. Il n'y avait pas énormément, mais celle-là en faisait partie. Ok. Ok. Et voilà, et Paris. Parfait. Et donc ma ligne, nouvelle ligne. Donc on part d'ici. On peut partir de n'importe quel quai. Là, ça permet plus de flexibilité. On vient à Beauvais. À Beauvais, on peut aller sur n'importe quel quai aussi. Voilà. Ensuite, on va à Bancourt. À Bancourt, par contre, on va quai numéro 3.
Ensuite, on va au tréport. Au tréport, on prend n'importe quel quai. Ensuite, on repasse à Abancourt. À Abancourt, on prend ce quai là, c'est bon. Quai 4. À Beauvais. À Beauvais, on prend le quai numéro... on prend n'importe quel quai, à Beauvais. Ok. Et ensuite, retour à Paris. Là, est-ce qu'on est bon? Oui, ça a l'air bon. Ah non, là j'ai pas dû mettre de TJD. Ouais, là on met une TJD, voilà. Comme ça, voilà, il n'y a plus de problème. Voilà, nickel. Et donc après ici... Ici, c'est tout bon aussi. Parfait. Ça c'est nickel. Et donc du coup, maintenant, faut qu'on achète des trains... Ah ouais, le problème c'est que là j'ai... Mais là ça ira pas. Ah en vrai après je peux les faire sortir quand même. Ah je suis en, ah, je suis en pause, j'avais pas vu. Ah si en fait si, si je les fais sortir de Rouen ça passe. Et comme ça je leur laisserai le temps aussi de se répartir sur la ligne. Comme ça on pourra les voir au prochain let's play. On pourra faire un... au prochain let's play. Au prochain épisode. Je vais mettre des trains express. Donc des 231, c'est Nord. En plus, on est sur le réseau Nord, donc là, c'est bon. Je crois qu'on est en 1934, donc c'est bientôt la fin des grandes compagnies. C'est bientôt la fin des compagnies. Les PO... Ouais, alors par contre, voilà, je mets pas les bonnes voitures, mais bon, pas très grave. Médiocre. Donc on va en acheter combien comme ça? On va en acheter 4. Ok. Et on envoie ça sur la ligne. Qui est ici? Ah, j'ai pas renommé d'ailleurs. C'est Paris le Tréport. Paris... Le tréport. Ok. Enfin, par contre, ça risque d'être un peu le bordel, je pense. Parce que là, ils vont se suivre. Ah, ça risque d'être un peu le foutoir, par contre. Je suis en train de me dire que ça risque d'être un peu le bazar. Parce que là, ils risquent de se suivre tous l'un derrière l'autre, les uns derrière les autres. En vrai, si je fais le raccordement là direct, ils pourraient y aller. Ils pourraient aller par là aussi. Parce que là, en fait, ils vont tous passer là. Donc, du coup, ils vont tous se stocker là. En fait, là, il va prendre ce raccordement là. Bon, on verra. On verra. De toute façon, je vais laisser tourner. Bon, en tout cas, on a 33 minutes de vidéo. Ce que je propose, c'est qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Donc, si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous êtes toujours abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez me retrouver en live, je suis en live quasiment tous les jours, sauf si on dit que dans le planning qui est en post-communauté sur YouTube. Enfin, pas en post-communauté, mais en post-en-direct, pardon. Dans l'onglet en direct sur YouTube ou sur mon Discord. Le lien Discord est en description de la vidéo. Et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur cette chaîne ou sur une de mes autres chaînes. Ou pour un live sur Twitch et YouTube. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.